Nous aimons les images, nous avons un style cinématique, nous aimons les images ressemblent avec un film. Nous toujours essayer de faire cool nous rapprocher d'un film. Je dis à vous, qui est vraiment important que je vais parler avec nous, qui s'allie, c'est Ratio. Ratio qui s'allie, c'est deux banois nous toujours dans la vidéo. Au commencement, ce n'est pas deux banois qui lient, c'est un ratio d'image. Il y a un écran qui est plus long que l'autre. Il y a un écran qui est plus rapproché de carré que l'autre. Donc, je compte filmer l'image là par rapport avec un ratio qui dépend de size projection. C'est ça qui fait que il y a des écrans, nous regardons l'image là-dedans, nous avons deux banois. Ça qui fait qu'il y a deux banois, c'est parce que l'image là parcourt toute surface écran. Nous allons suivre comment ajouter ratio sur une image. Pour que ou pas de filmer avec résolution qui anamorphique. Moi j'ai une image qui en 16:9. Si m'a créé un nouveau projet, là li indique li 16:9, c'est que mettez à 810 exactement les dit ça sont 64:27. OK? M'a quitté là avec 16:9, ça c'est pour exactement pour projet 16:9. Les gens tout qui fait toujours quitter projet en 16:9 partout faire ratio par rapport avec size projet directement, c'est parce que moi j'ai une série de l'autre image que m'ta en recadré. Par exemple, je dois avoir une image de angle différent, angle ça moi même dans mes qui était en 16:9 et puis angle ça m'ta en mettre en 21:9 pour me pas gain pièce problème, mais ça m'ta juste ajouter ratio sur une et puis me retirer ratio sur l'autre là. On apprend comment pour nous mettre ratio soit nous les premiers pour nos images et m'a pas ajouté un adjustment layer. Oh adjustment layer. OK. Moi ajouter sur tout fichier. Cool. Et puis moi va l'ajouter un effet qui les crop. Moi lagui crop là sur adjustment layer. Moi dit en bas pour le retirer 13% en l'air pour retirer 13%. OK? Donc, il y a une autre possibilité. Et l'autre possibilité, ça, c'est ça que je vais expliquer à l'air qui s'allie. C'est l'air que j'ai deux images. Moi, j'ai besoin d'un ratio différent. Exemple, si que moi aller directement dans l'image là, ils ont un adjustment layer. Si que moi aller directement dans l'image là, je vais essayer de mettre un ratio là. 13. Si mettons l'autre image en bas, l'autre image là apparaît parce que c'est propre image là propre, c'est un size d'image lié. J'aime te dire depuis le commencement. OK, donc c'est pas ça me voulait, moi voulais que pour toute ça en bas net prend même effet là. Donc moi retirer effet propre là dans premier fichier là, moi ajouter le dans adjustment layer même fichier qui en bas là, il prend tout parce que adjustment layer son fichier nul cap ajouter un effet sur tout ça qui en bas parce qu'il pas mettre tête, il pas jamais ajouter effet sur tête seulement, il a pas ajouter sur toute l'autre image qui en bas. En but c'est dire dans vidéo. Deux banois pas oublier son style cinématique. Donc qui s'allier au cas toujours gain groupe c'est pour utiliser n'importe style ou voulez. Par exemple, gain monde qui ca utiliser le PY toujours. OK, là les PY. OK, il y a des gens qui juste utilisé 16:9 là et comme ça tout au cas chercher plus d'informations sur Google et vous prendre une image qui a un ratio qui dans sens ou et vous copier. Donc moi pas le montrer non tout de suite comment on ajouter sur Final Cut. Pour moi j'ai utilisé Final Cut. Directement là moi sur Final Cut. Final Cut gon option principalement pour ça. Si nous juste checker Letterbox. OK. Donc ça a avantagé un peu parce que là au compte petit type de ratio que on va travailler et là on peut modifier image là, on peut modifier bordure, on peut faire plus travail toujours. Donc on dit 2.55 là gros ratio. OK, et même Jean moi te dit nous peut ajouter ratio avec un système propre, nous peut faire même Jean. OK, là en sorte que en bas égal avec pourcentage en l'air
et 358 bah 358 n'a traversé directement dans Da Vinci Resolve pour que moi monter nous comment pour ajouter aspect show sous Da Vinci Resolve. Da Vinci Resolve qui me presque même genre avec Final Cut mais tout gain intégré et voilà j'étais là misé en bas. OK là vous sentez une bonne agir. OK m'a ajouté même 16 là là et puis bâton. Donc ça c'est un moyen qui est plus facile de jouer. OK donc ça c'est moyen pour ajouter deux banois nous qu'on voit yo yo le ratio dans une vidéo. Gain lens spécialement pour ça. Gain lens spécialement pour faire genre d'image ça. Par exemple, j'en ai regardé là sur l'écran là, bon c'est des images anamorphiques qui vraiment longues, laisse aller ça là directement caméra professionnelle cinéma yo. Il record directement avec un ratio d'image bien spécifique. Si vous voulez plus d'informations, pas oublier taper Destination Pro sur Facebook, Instagram, Twitter. Bon ma vie pour ou qu'à continuer commenter pour m'ka orienter sur tutoriel que m'a fait yo et abonner avec channel YouTube là pour qu'à j'ai vidéo avant.